Philippe Marois dans la circulation. Il est 8h31. Est-ce qu'il y a enfin un peu d'action pour vous? Ben, en fait, il y a deux, trois incidents dont il faut parler, mais il n'y a pas d'heure de pointe. Dans le sens, c'est pas de ralentissement. Même les incidents, pour l'instant, qui se produisent, en fait, c'est qu'il y a sur la 25 Sud, en fait, à la fin du tunnel Louis-Hippolyte-Lafontaine, direction Rive-Sud, il y a un camion en panne dans la voie de centre à la fin du tunnel. Donc, prudence si vous êtes dans le secteur, parce qu'il y a ça dans la voie de centre, on peut pas rentrer dedans. Enfin, c'est plutôt à gauche ou à droite. Et sinon, sur le pont Jacques-Cartier, voie de droite également, direction Rive-Sud, il y a un cycliste dans la voie de droite. Donc, sur le pont Jacques-Cartier, vers la Rive-Sud. Au moins, c'est dans le sens contraire d'une supposée heure de pointe s'il y en avait. Donc, c'est dans le sens contraire du trafic. Mais quand même, pour l'instant, ça ne semble pas créer de ralentissement. Et partout ailleurs, ça va bien. Donc, prudence si vous devez emprunter soit le pont Jacques-Cartier ou le pont tunnel Louis-Hippolyte-Lafontaine vers la rive sud. Oui, prudence. Et demain aussi, ce sera le mot d'ordre, Stéphanie. Prudence, parce qu'il y aura quand même pas mal de neige demain. Oui, c'est surtout... les.